petit disclaimer avant cette vidéo RP. Je tiens juste à dire que bon, bah, c'est le début d'une petite série RP. Hein, vraiment, c'est à l'improviste. Voilà, je fais ça parce que ça fait longtemps qu'on me l'a demandé. Et c'était les vidéos Red Dead étaient aimées par les gens. Donc j'ai décidé d'en refaire. Ça peut être cool. Je vais essayer de faire un peu toute l'histoire. Je vais pas faire que les missions principales du jeu. Hein, je vais bien évidemment faire ma petite vie. Et voilà, petit truc pour vous dire que dans cette vidéo, il y aura des petits problèmes de son. On n'entendra pas beaucoup les dialogues et on entendra surtout le bruit de ma play en fond. Alors je suis vraiment désolé, hein, le premier épisode c'est un petit épisode de test. Je vais essayer de régler les sons pour le prochain épisode, donc voilà, je suis vraiment désolé pour le son. Voilà, je vais essayer d'améliorer pour les prochains épisodes et j'espère que vous allez quand même l'aimer. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire. Et voilà, bonne vidéo à vous. Merci pour cette petite discussion, Zéa. Il est temps que je reprenne du boulot. Ah, ça fait longtemps que je suis pas revenu dans ce petit camp. Salut Maika. Lenny et toi, vous avez rien vu de normal quand vous êtes parti en éclaireur? Parfait. Ah, personne. Faites-en plein, je meurs de faim. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là 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 là, Dutch. Alors, ce cigare? Ah, Blackwater, ouais, je sais. Si j'en trouvais une, je te la donnerais. Ça peut aussi faire de ton œuvre. Lenny. Maika et toi, vous avez vu quelque chose en éclaireur? Tout est calme, Zéa. Parfait. Bon, et moi je vous laisse, les gars. Il est temps que j'aille bosser. Allez, c'est parti. Je vais bien voir ce que je vais faire. Il y a bien des choses à faire à Valentine. Allez, c'est parti, mon beau. Je pourrais un petit peu chasser, moi, aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'un petit verre. Ah, c'est toujours aussi beau ici. J'ai perdu mon cheval. Il doit être encore être revenu aux montagnes. Bonjour. Et Audrey's Call. Inutile de menacer, je cherche pas la bagarre. C'est pas une bonne idée de me contrarier. Ok, très bien. Voulez-vous battre? Oh. Tiens. Petite merde. Oh. Tu veux faire quoi, toi? Petite merde. Petite pute. Aïe.
Oh! Aïe! T'arrives à te retenir, hein, petit con? Allez, c'est tout ce que t'as! Petite merde! Je viens d'arriver, ça commence déjà. Léo Driscoll. Je vais vite m'en aller ici, moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Il va être temps de ressortir mon bon vieil arc. Putain, je l'ai perdu. Bordel de merde. Il y en a là-bas, des biches. Voyons qu'est-ce qu'on a là-bas. Des bonnes petites biches. Bouge pas, ma petite. Oh, oh ah. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh putain. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Oh. Oh putain. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi? J'ai peut-être quelque chose. Ah oh. Putain, ma petite. Ouh là là. Ah, ça commence bien aujourd'hui. Je me suis juste pris une embuscade, tombé à cheval. Ah. Je vais descendre un peu. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Je peux pas la laisser à l'agonie. Je suis désolé, ma petite. Il manquerait plus que je me fasse bastonner au saloon et je vivrais vraiment une bonne journée. Allez. Je pourrais peut-être vendre sa peau pour un petit peu de sous. Ça me fera la soirée. Allez, c'est parti. Ah, cette chute m'a pas fait le plus grand bien. Valentine. Ok. Redonne-moi ça, toi. Voilà. Allez. Allez, repousse-toi, mon petit. Tiens, ça va te faire le plus grand bien. J'aime toujours cette ville, ça fait longtemps. Mais l'endroit le plus intéressant, c'est ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Enchanté. Si je le dis. Désolé, je savais pas que je parlais à une dame. Ouais, je suis un authentique séducteur.
Oui, Bill. Allez, encore quelque chose de plus dans ma journée. La chance que je voulais pas de baston au bar. J'ai passé une mauvaise journée, alors toi je peux te dire que je vais t'en foutre une. Petite merde. Allez, viens là, viens là. Allez, tape fort. Allez, vas-y. Frappe, frappe. C'est tout ce que t'as, petite merde. Oh. Allez, frappe plus fort. Oh. Tiens, enculé. Vous êtes à trois dessus, bande de petites putes. Oh. Oh. Je vais te tuer, espèce de salopard. Tiens. Lâche-moi, putain. Merde, Ravière, y'a le gros costaud, laisse-le tranquille. Mignon, tu te fous de moi, j'espère. Mignon. Oh, oh putain. Allez, frappe. Allez, viens. Oh. 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 Aïe. Oh. Oh. Aïe. Je vais lui régler son compte. Tiens. Allez, frappe. Aïe. Oh. Tiens, petite merde. Tu te prends pour qui? Oh. Allez, viens là. Viens te fight. Aïe. Oh. Oh non. Ah. Ça, espèce de vieille merde. Aïe. Ah. 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 Lâche-moi. Lâche-moi, espèce de gros tas. Tiens, espèce d'enculé, de gros tas, sale chien. Meurs, sale merde. En tout cas, ça te regarde, toi. José Terolaoni, lui-même. Tiens donc, je croyais que t'étais parti pour New York. Comment tu vas? On a laissé pas mal de roublons là-bas. Et si on met un pied à l'équateur? On peut être sûr d'y laisser notre peau. Oui, bien sûr. Putain de merde. Oh là là, putain.
Quel gros tas. Putain de merde. Je peux te dire qu'il m'a mis la misère. Ah putain de merde. Et bah la journée peut pas mieux se passer en tout cas. Putain. Mon chapeau. Et ça se barre. Il me reste plus que des amendes. Comme si j'en avais pas déjà assez par la peine carton. Bon. Ah, il me reste plus qu'à sortir. Putain de merde. Bon. Bonjour. Alors. Je cherche juste de la pommade pour cheveux, monsieur. Parfait, voilà. J'en ai bien besoin. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, c'est vous! Bonjour monsieur. La charité, hein, vous y gagnez beaucoup. Ou d'intervenir. Ce que je fais, je vous regarde pas, compris? Vous avez l'air en très bon état. Alors, qu'est-ce que c'est que votre histoire? Société de bienfaisance de New Hanover, une nouvelle organisation philanthropique œuvrant pour l'amélioration de la... Vous pouvez me laisser lire, s'il vous plaît. De la condition des pauvres. La paupérisation gagne du terrain dans tous les états de notre grand pays, alors faites un don pour soutenir nos efforts. La collecte de fonds servira à financer la première mission de sauvetage du comté, dont les objectifs sont d'aider les nécessiteux et les affamés en leur offrant de la nourriture, des vêtements, un lit propre. Ça m'a l'air d'être tout à fait honorable, mais je n'ai pas d'argent, désolé. C'est faux, j'ai 20 dollars. Ah, le boucher. Je vais voir si je peux un peu gagner quelques petits sous avec ma peau de biche. Je m'en suis cassé un bras pour aller la chercher. Enchanté, monsieur. J'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Bonne journée à vous. Bon, est-ce que je peux aller boire un verre en étant tranquille? Salut toi. C'est qui votre ami là? Qui ça? Alors qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, je crois que là maintenant, vous pourrez le tuer sans problème. Et ça avance bien. Vous commencez à comprendre quelque chose de très important.
Les joies de la gâchette. Gagnant-gagnant, la liberté ou la gloire. Je vous en prie. Je n'ai pas de nom. Non, pas vraiment. Si je dois tirer sur des gens, j'essaie de leur tirer dans le dos. Tout le reste, c'est... Je sais pas. Des foutaises. Il y a longtemps... Peut-être. Non, je crois pas. C'est étrange. J'ai besoin d'argent, oui. J'ai jamais entendu parler. Vous voulez que j'aille trouver une bande de crétins comme lui pour leur demander s'il était le meilleur? Et s'ils font des manières, je les bute. Vous payez combien? Je verrai ce que je peux faire. D'accord. Je vais voir ce que je trouve. Encore des histoires, alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça, chose là? La lady. Une lady. Intéressant. Je m'en occuperai plus tard. Allez. Moi, je rentre au camp. C'est pas ma journée aujourd'hui. Ah non, non, non. Je vais enfin pouvoir rentrer et me reposer.